Une première vente aux enchères de voitures de luxe, de bijoux et de somptueuses propriétés de criminels, saisie par la police, aura lieu dimanche prochain pour le financement des programmes sociaux, a indiqué le président mexicain André Manuel López Obrador. Cette première vente, organisée par l'Institut pour la restitution de ce qui a été volé au peuple, sera dédiée aux véhicules de luxe, a-t-il précisé. La mise à prix pour un total de 82 véhicules est estimée à 1,5 million de dollars, une somme qui devrait vraisemblablement être dépassée, a fait savoir le directeur de cette nouvelle institut, Ricardo Rodriguez. Les propriétés et bijoux saisis seront mis aux enchères ultérieurement, lors de deux ventes distinctes, a ajouté M. Rodriguez. Le président mexicain avait promis lors de sa campagne électorale de transformer le Mexique rongé par la violence et la corruption. Après sa prise de fonction, il a mis en vente l'avion présidentiel et ne se déplace qu'à bord de vols commerciaux.